Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Jamie Foxx est un acteur, producteur, chanteur et comédien américain qui a une valeur nette de 170 millions de dollars. Jamie est l'un des acteurs les plus recherchés et les mieux payés d'Hollywood. Il est un acteur, chanteur, écrivain et producteur aux multiples talents. Jamie Foxx est né Eric Marlon Bishop à Terrell, au Texas, le 13 décembre 1967. Peu de temps après sa naissance, Foxx a été adopté et élevé par ses grands-parents Esther Marie et Mark Talley. Ses parents biologiques ne faisaient pas partie de son éducation et il avait peu ou pas de contact avec eux en grandissant. Malgré une éducation baptiste très stricte, Jamie attribue le succès de sa carrière à l'influence de sa grand-mère sur sa vie. Il a commencé à jouer du piano à l'âge de 5 ans et était déjà populaire pour raconter des blagues créatives à sa classe à l'école primaire. Foxx a reçu des notes exceptionnelles, a joué au basketball et a été le quart arrière de l'équipe de football du lycée Terrell. Il a obtenu une bourse à l'Université internationale des États-Unis et a étudié la composition musicale et artistique. Carrière de comédie. Foxx a commencé à jouer des comédies stand-up en 1989 et en 2 ans, il est devenu membre de la distribution de l'émission humoristique à succès In Living Color, où il est resté pendant ses 3 dernières saisons. Après sa fin, Foxx a reçu sa propre émission, The Jamie Foxx Show, qui s'est déroulée de 1996 à 2001, pendant 5 saisons, 100 épisodes et a été nominé pour plusieurs prix Image, Kids' Choice et NAACP. Il a sorti 3 spéciaux stand-up sur DVD, dont son spécial HBO, Straight from the Foxhole, Unleashed et He Might Need Security. Carrière cinématographique. La première apparition de Foxx au cinéma était dans la comédie Toys de 1992. Parmi les autres films dans lesquels Foxx est apparu pendant cette période, citons The Great White Hype et Any Given Sunday, qui ont valu à Foxx ses premières nominations pour son travail cinématographique. Il a également été nominé pour ses rôles dans Ali, 2001, dans lequel il a joué aux côtés de Will Smith, Breaking, All the Rules et Collateral, qui a rapporté 217,7 millions de dollars dans le monde. Pour son travail sur Collateral aux côtés de Tom Cruise, Foxx a été nominé pour un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. En 2004, Foxx a dépeint Ray Charles dans le biopic Ray. Pour sa performance dans le rôle principal, Foxx a remporté 19 prix, dont l'Oscar du meilleur acteur et le prix BAFTA du meilleur acteur. En 2005, il rejoint l'Académie des arts et des sciences du cinéma. Parmi les autres films notables sur lesquels Jamie a travaillé, citons Stealth, Jared, Miami Vice, l'adaptation cinématographique primée du spectacle Dreamgirls, le biopic The Soloist, Law Abiding Citizen, Valentine's Day, I'm Still Here, Dudat, Horrible Boss, Django Unchained, White House Down, The Amazing Spider-Man 2, Horrible Boss 2, Annie, Sleepless et Baby Driver. En septembre 2007, Jamie a obtenu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, qu'il décrit comme l'un des jours les plus surréalistes de sa vie. Artiste d'enregistrement primé, Foxx a sorti 5 albums studio. Son premier album, Peep 10, de 1994, fut un flop commercial. Cependant, son deuxième album, Unpredictable, 2005, a été son plus grand succès avec une certification double platine de la RIAA. L'album a également atteint le N-degré 1 des charts Billboard 200 et R&B américains, et le N-degré 9 du palmarès des albums britanniques. À ce jour, l'album s'est vendu à 1,98 million d'exemplaires aux États-Unis. Ses singles à succès incluent Unpredictable, avec Ludacris, Blame It, avec T-Pain, et Fall For Your Tip, avec Drake. Foxx a également figuré sur les singles N-degré 1, Slow Jams, de Twista, avec Kanye West, et Gold Digger, de Kanye West. Foxx est connu pour ses collaborations croisées. Foxx figurait sur le single « Georgia » de Ludacris et Field Mob en 2005, échantillonnant la classe de Ray Charles « Georgia on my mind ». Fan de longue date de musique country, il a enregistré « She Goes All the Way » avec Rascal Flatts en 2007. Il a également interprété la chanson de George Strait, « You Look So Good In Love », lors du concert des étoiles de l'artiste de la décennie. Lorsque Foxx a accueilli les BET Awards 2009 en 2009, il a ouvert avec une interprétation de « Beat It » de Michael Jackson. Foxx est devenu l'hôte et le producteur exécutif du jeu télévisé Foxx Beat Shazam, le 25 mai 2017. Le 31 janvier 2020, l'émission a été renouvelée pour une 4e saison. Vie privée. Jamie est connu pour garder sa vie privée secrète. Il a 2 filles, Corinne, née en 1994, et Annelise, née en 2009.
sa fille Corinne est mannequin et actrice, et est apparue sur Beach Shazam, en tant que co-animatrice avec Fox. Fox et Katie Holmes étaient dans une relation à long terme après sa séparation de Tom Cruise en 2012, mais il a été rapporté que leur relation avait pris fin en août 2019. Fox a été impliqué dans un incident en avril 2003 à la Nouvelle-Orléans où lui et sa sœur ont été escortés hors du Harrah's Casino à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Les employés du casino ont affirmé qu'ils n'avaient pas présenté de pièces d'identité lorsqu'ils sont entrés. Fox a été accusé de voies de fait contre des policiers et de résistance à l'arrestation, d'intrusion et de trouble à l'ordre public. Il n'a plaidé aucune contestation pour avoir troublé la paix en échange de l'abandon des autres charges. Il a été condamné à 2 ans de probation et condamné à payer une amende de 1 500 $. Le 18 janvier 2016, Fox a sauvé un conducteur ivre d'un véhicule en feu qui s'était écrasé devant son domicile. Le conducteur roulait à grande vitesse lorsque le camion a quitté la route dans un fossé et s'est renversé plusieurs fois. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant 1 $, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.